Alors, nous allons partir là pour une petite séance, encore de 45 minutes. J'espère que vous êtes prêts, vous êtes chauds. Allez, on va se mettre debout pour les jumping jacks. Donc, les jumping jacks, je vous rappelle, c'est position du gendarme et position de la tour Eiffel. Allez, vous êtes prêts? On commence par 10 petites secondes. Ok? J'espère que la lumière convient. Bonjour Chris. Ah, Christine. Pascal, j'espère que tu vas participer. Allez, c'est parti. Allez, on respire un petit peu. C'est une mise en bouche. Maintenant, on va doubler le timing. On va partir sur 20 secondes. Pensez à respirer entre les exercices. Allez, c'est reparti. Allez, on est à la moitié. Bonjour à Béné, à Vincent et à Alice qui nous ont rejoints. Et à Christine. On respire. Allez, maintenant on va partir sur 30 secondes. Vous êtes prêts? Je précise, pensez à prendre une bouteille d'eau et un tapis pour le sol. Ou moi j'ai un tatami, mais ceux qui n'ont pas de tatami, pensez à un tapis pour le sol, une serviette ou une couverture. Enfin, la serviette, c'est au cas où. Vous êtes prêts? Et on est reparti. 30 secondes et hop! Allez, on est à un tiers de la distance. La moitié. Et maté. On va couper le son de la télé parce que sinon ça va faire un écho. Donc, j'ai choisi de ne pas mettre de musique pour que vous mettiez votre propre musique à la maison. Et qu'on m'entende bien parler surtout. Ok? On respire. On boit deux petites gorgées d'eau. Ne faut pas boire trop d'eau, sinon après on aura du mal à faire les exercices. Ok? Allez, maintenant on va faire des squats normales. Donc, pour les squats normales, on descend bien avec le dos droit. Là, pas besoin de descendre trop bas. Donc là, on va en faire 5 pour commencer. Et ensuite, on va monter à 10, 15 et 20. Allez, vous êtes prêts? Et 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Relâche les jambes un peu. Relâche les jambes. Allez, on est reparti pour 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, maté. On relâche de nouveau les jambes. On profite pour bien respirer. Mais pendant les exercices aussi, il faut respirer. On ne fait pas l'exercice en apnée. Donc on expire par le nez, on expire par la bouche.
Allez, on est parti pour les 15. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, Mathieu. Allez, on respire. On secoue un peu les jambes. Alors, on secoue les jambes, c'est pour ne pas avoir d'acide lactique coincé dans les jambes et pas de courbatures. Car tous les jours, à la même heure, on fera une petite séance de Taekso. Et je rappelle, sur le Facebook et sur le site, on mettra, pour les judokas, on mettra une technique par jour. Ok? C'est pas parce qu'on est en confinement qu'il faut se laisser aller. Allez. J'avais oublié de préciser les pieds, largeur des épaules. Pas les pieds vers l'extérieur, sinon c'est des squats sumo. Les pieds parallèles, largeur des épaules. Allez, on est parti sur les 20. Dos droit, on fait sortir les pecs. On serre les abdos et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Maté. On respire. On respire. Allez, maintenant, on va faire ce qu'on appelle des squats avec saut. Donc, ça veut dire que je fais une squat et je saute ensuite. Donc, flexion, extension, comme je dis au club. Ok? Mais on les fait d'affilée. Allez, vous êtes prêts? Et 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maté. On lâche un peu les jambes. Alors, si vous avez quelque chose à me dire, ne m'envoyez pas de message sur mon portable, je ne le regarde pas. Il est préférable de m'envoyer sur le chat, comme ça je peux lire vos messages et répondre avec le direct. Ok? Allez, on va doubler la mise. Là, on va partir sur 20. Ok? Allez. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Allez. On lâche les jambes et quand on aura bien respiré, on va boire deux gorgées d'eau. Je précise, de l'eau. Si vous avez de l'eau aromatisée, c'est aussi bien. Mais pas trop de sucre. Allez. On va mettre deux gorgées d'eau.
Donc maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les burpees. Alors, les burpees, c'est pompe, flexion, extension. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à faire les pompes en planche, n'hésitez pas à faire avec les genoux au sol. Donc, en position pompe, donc c'est pompe, flexion, extension. Donc, pour les judokas ou les jujutsukas, 20 burpees équivaut à 90 secondes de combat de judo. Donc là, on va faire, pour commencer, 5. Ok? Allez, vous êtes prêts? Position. Allez. 1, 2, 3. Alors, les vidéos me disent qu'ils sont morts. C'est pas grave, c'est pas grave. Faites à votre rythme. Si vous trouvez trop dur, faites à votre rythme. Mais je pense que parmi les vidéos qui disent qu'ils sont morts, Benjamin tient bien le rythme. Surtout que si il se destine à une carrière de judoka, il faut y aller. Béné aussi est mort. Mais Béné, ça vient de commencer. Transat. Allez. Donc, on va se faire encore une série de burpees, une série de 10. Ok? Petite série de 10. Et comme ça, on finit avec les burpees et on va passer à un exercice plus cool sur le dos. On va refaire du vélo pour ceux qui étaient là à la séance enfant. Ok? Allez. Dernière série de burpees. Vous êtes prêts? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Wouh! On est en forme, nous. Allez, on respire. On va boire un petit peu d'eau. Eh ben, moi aussi je commence à être un peu rouillé. Deux gorgées, pas plus. Allez, on va se mettre sur le dos. J'espère que vous avez prévu de quoi vous mettre sur le dos. Donc, on se met sur le dos avec les bras le long du corps et on va faire du vélo. Donc, on commence par 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Et comme on est chez les adultes et que c'est un exercice assez facile, on va faire 40 secondes. Allez, c'est prêt. Adieu. Maté. On respire. Donc, on a fait les 10 secondes. Donc, maintenant, on va faire 10 secondes sur le dos. Et 10 secondes avec les coudes en bas. Ok? Pensez à faire rentrer vos abdos. Allez. Vous êtes prêts? Hajime. Allez, les 10 autres. Hop.
Mathé, j'espère qu'Alice, tu arrives à tenir le rythme. C'est bien de faire un peu de sport. Respire. Et on va faire la même chose pour les trompes. Donc 15 secondes sur le dos, 15 secondes avec les coudes en plus. Allez, on respire encore 5 secondes. Et go! Pensez à rentrer les abdos. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, sinon vous aurez des points de côté. Allez, on passe sur les coudes. Ça ne m'étonne pas qu'Alice gère. C'est une championne, Alice. Allez, on respire. Donc, on part sur les 40. 20 secondes. 20 secondes sur le dos et 20 secondes sur les coudes. Allez, dernière série. Vous êtes prêts? Hajime. Allez, on monte sur les coudes. Rentrez les abdos. Maté. Allez, encore deux petites gorgées d'eau. Allez, on va se mettre en position d'abord du papillon. Là, je colle mes pieds contre mes pieds et je vais secouer. Je vais secouer les jambes. Allez, je secoue. Maintenant, je vais tendre une jambe et plier une. D'abord, je me mets vers l'extérieur. Puis, maintenant, vers la jambe tendue. La même chose avec l'autre jambe, vers l'extérieur d'abord. Puis vers la jambe tendue. Ouais, je ne suis pas super souple. C'est le judo, la voie de la souplesse. Ju-voie, do, souplesse. À se mettre debout, je croise les jambes et je vais descendre. Hop, sans faire d'un coup, il faut pas que je fasse un coup. Par contre, quand je suis en bas, quand je sens que ma jambe tire, je vais souffler pour aller plus bas. Donc là, je descends. Là, moi, je sens que ça tire, donc là, je souffle pour aller plus bas. Ensuite, je vais changer de jambe.
Et je vais faire la même chose. Ok. Allez. On est reparti pour un peu de jumping jack? J'imagine que vous dites oui, non. Allez, non. On va pas faire des jumping jack. On va changer. Donc maintenant, ce sera un pied en avant, un pied en arrière. Un pied en avant, un pied en arrière. Vous êtes prêts? Agile. Ah, t'es... Oui, les bidons. Allez, on souffle un peu. On va partir sur 20 secondes pareil. Et... Agile. Ah, alors, à préciser, pour les 30 dernières secondes, parce qu'on va faire encore 30 secondes, on va faire la même chose, mais qu'en restant sur la pointe des pieds. Donc, jamais les talons au sol. Ok? Donc, ça va faire travailler les cuisses et les mollets en même temps. Allez, vous êtes prêts? Allez! Maté. On souffle, on lâche les jambes pour ne pas avoir d'acide lactique dans les muscles. Allez, on lâche, on lâche. Et on va boire deux gorgées d'eau. Allez, on écarte les jambes. Et donc, je vais aller chercher la jambe opposée. Voilà. Ah, ça fait un peu de l'oral exploratif quand je pars tout seul. Oui. Allez, ma boue! Allez. Et ensuite, de l'autre côté. Vous êtes prêts? Là, c'était pour vous montrer l'exercice. Donc, d'habitude, on le fait pour s'étirer, mais là, on va le faire en exercice. Allez, et on rentre les abdos en même temps. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maté. Allez, relâche. On est reparti, même chose. Je vais m'avancer un peu. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 20. Ah, allez. Allez, on se met à genoux. Et on va tirer en arrière. Main plat au sol. En avant, en position de l'enfant.
Position de la vache, le. Position du chat. De nouveau en arrière. Position de l'enfant. Position de la vache. Donc dos croisé. Je regarde bien devant. Position du chat. Je regarde au sol. J'arrondis le dos. Et je relâche. Allez. Les châtelains sont à fond. Super, les châtelains. Ça va, Camille? Allez. Donc, là, on va faire deux choses. Lever le bassin. Donc, je lève le bassin. Et ensuite, je lève une jambe. OK? Donc, 1, c'est je lève le bassin. 2, je tends la jambe. Je redescends. Voilà. Donc, c'est un peu plus complexe. Ceux qui n'arrivent pas à lever la jambe, faites juste les levées de bassin. OK? Allez, on commence par 5. 1. 2. 3. 4. 5. Mat. Maintenant, pour le 10, on va à 5, on va rester pendant 5 secondes en l'air avec une jambe en l'air ou avec le bassin en l'air. Tout dépend si vous levez la jambe ou pas. Allez, on se met sur le dos. 1. 2. 3. 4, 5, allez, on tient pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, allez, on reprend. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On respire. On va faire 15 cette fois-ci. Donc tous les 5, on va rester bloqué pendant 5 secondes. Petite info pour Benji, utilise ta jambe qui fait Uchimata. Enfin, pour tous les judokas, utilisez votre jambe qui fait Uchimata. Ok? Uchimata, c'est quand je fauche une jambe. Donc, entre les deux jambes. Pas au Sotogari, pas vers l'arrière, vers l'avant. Bien que ça peut être utilisé aussi pour le Sotogari. Allez, on est reparti. Et 1, 2, 3, 4. 5, allez, on tient 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 1. On tient. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà.
va se mettre debout. Vous pouvez, comme moi, utiliser un mur. Main sur le mur. Et on va plier la jambe derrière. Essayez de monter la main le plus haut que possible. Et on redresse. On creuse un peu le dos. On regarde devant. Allez, l'autre jambe. Allez, toujours au sol. J'espère que tout le monde a prévu quelque chose pour couvrir son sol. N'oubliez pas, à chaque exercice, deux petites gorgées d'eau. Là, on va continuer au niveau du sol. Exercice très simple, je me mets sur le coude, là, la jambe qui est en haut tendue, et on va lever et descendre la jambe, ok? Allez, vous êtes prêts? On commence à 10, comme l'exercice est assez facile, donc 10, 20 et 30, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change de jambe. Et 1, 2, 3, 4. Le pied est en pointe. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on se met assis. Attirez un peu. On tire, on tire, on tire, on tire. Allez, on repasse de l'autre côté. N'oubliez pas, pied en pointe. On essaye de durcir la jambe. On serre les fesses. Et 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Les derniers 10, plus rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Voilà. On change de côté. Allez. Vous êtes prêts? Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 10 dernières rapides. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 7, 8, 9, 10. Merci. Allez, on va passer à autre chose. Donc là, on se met sur le ventre, on tend les jambes, tend bien les jambes, et on va faire comme si on faisait du crawl. Donc là, hop, je vais battre des pieds. Ok? Vous êtes prêts? Allez, à 10 mètres. Maté. On change de sens, on se met sur le dos. Même chose. Allez, on lève un peu la tête de façon à bien guider les abdos. Et c'est parti, la même chose. Maté. Donc maintenant, on va faire ce qu'on appelle
Alors, on va faire ce qu'on appelle la banane. Donc, ah, hop, je lève et le buste et les jambes. Vous êtes prêts? Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Parti. Respire un peu. On va partir cette fois-ci sur 10. Après, parce que ça va bien travailler les abdos. Après ça, on va prendre 30 secondes de pause et on va recommencer. Allez. On est prêt. Et 1. Ça, on appelle ça les crunchs en banane. Ok? Donc, profitons de la position, carrément. On va faire 15 crunchs. Et ensuite, on va voir. Allez. Les crunchs, ce n'est pas des abdos complets, c'est des petits abdos. Ça veut dire que je reste à ce niveau. Pas besoin d'aller trop haut. Allez. Et ce n'est pas avec les cervicales qu'on le fait, c'est avec le ventre. Donc, durcissez votre ventre pour pouvoir monter. C'est pas là que, si vous avez mal au cervical, c'est que vous faites mal l'exercice. Donc, je ne veux pas avoir de personne avec les mains derrière la nuque parce que c'est très mauvais. Allez, donc les mains à côté si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, Mati. Allez, je vous laisse 30 secondes pour vous relâcher et vous relaxer. Profitez pour boire vos deux gorgées d'eau. Allez, on va repartir sur du jumping jack. Oh yeah, jumping jack. Allez, il ne reste plus que 10 minutes de cours. Allez. Jumping jack, je rappelle, c'est le gendarme et la tour Eiffel. Allez, c'est parti et 10 secondes et ne bois pas trop, tu ne pourras pas bouger. C'est clair, c'est pour ça que j'ai dit deux gorgées seulement. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, parti. C'est pour ça, toujours deux petites gorgées entre les exercices. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai fait deux petites séances. Donc, voilà, ça finira un litre. Allez, on part sur 20 secondes. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maté. On respire. Il ne manquera plus que les 30. 30 petites secondes. Et ensuite, on va passer au squat sumo. Allez. On est reparti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. On respire. Allez, une petite gorgée d'eau. Alors, pour les squats sumo, pieds vers l'extérieur, pieds vers l'extérieur, je fléchis sur les jambes, pas trop bas. Voilà, à la tienne aussi, Chris. On descend sur les jambes, et donc là, on commence par 10, et ensuite 20, et ensuite 30. Allez, on est prêt. Le droit, je sors, je mets les épaules en arrière, je sors les pecs, je rentre les abdos. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous vous demandez pourquoi je rigole, en fait je me vois avec un petit décalage et ça fait un peu à Michael Jackson. Allez, on est reparti. 20. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Bâti. On respire. On relâche les jambes. J'ai les chevilles qui enflent. Allez, on est parti sur les 30. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Merci. Allez. Relâche un peu les jambes. Relâche. Allez. On va faire remonter un peu le cardio. Et pour ça, on va trépigner les pieds. Ok? Donc, on va piétiner. On va commencer par 10. Repos de 10 secondes. 10. Repos de 10 secondes. 10. Ok? Allez, agis. Bâti. Allez, on est reparti. Agis. Bâti.
Allez, on est reparti. Allez. Voilà. Allez, on respire. Alors, pour le dernier exercice, on va faire 30 secondes de gainage latéral d'un côté, 30 secondes de l'autre. Mais pas tout de suite. On va faire 10, 10 de l'autre, 10 au milieu, de nouveau. 20, 20, 20 et 30, 30, 30. Allez, c'est parti. Se met en position. Coude bien au niveau des épaules. Pied sur pied. Vous pouvez vous appuyer avec l'autre main au niveau du sol. Et on va bien lever la hanche. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on se met de l'autre côté. Allez. Et adieu. 1, part sur le frontal. Alors pour certains, vous vous mettrez avec les coudes au sol. Pensez à avoir surtout le dos droit, donc comme ça, le dos droit. Ou pour les plus costauds, on se met carrément sur les mains, ceux qui n'ont pas de problème de poignet. Allez, n'oubliez pas, allez à votre rythme. Chaque jour, on fera une petite séance comme ça. Allez, go! On respire. Allez, on va repartir sur du gainage latéral. Maintenant, on part sur 20. À dîner. Pensez à rentrer les abdos. Et bien monter la hanche. Voilà. De l'autre côté. On souffle en même temps. Voilà. Allez, en facial. Hop. Et adieu. Pensez à avoir le dos droit, on ne met pas le dos en creux. Voilà. On respire un peu. Allez, dernier effort, cette fois-ci, on va faire les
les 30 secondes. Donc n'oubliez pas, serrez les dents avec beaucoup de volonté, on y arrive. Mais allez à votre rythme. Allez, c'est parti. Hajime. Allez, on tient. Serrez bien les abdos. Vous pouvez toucher. Là, ça dessine les abdos. Allez, on est à la moitié. Allez, on tient encore. On remonte la hanche. On voit qu'on a la hanche qui descend. Allez, plus que 5 secondes. Mati. Passe à l'autre côté tout de suite. Allez, on tient. Allez, on est à la moitié là. On tient. Allez, on durcit les abdos là. Plus que 5 secondes. Et maté. Allez, on passe à la dernière position. De face. Allez, on part dans 5 secondes. Dans 5 secondes, on est parti. Et Hajime. Allez, on tient. Là, on durcit les abdos. Essayez de regarder devant soi. Allez, on tient. Le dernier exercice. Même si on tremble, on lâche pas. On craque pas. Fort dans la tête. C'est dans la tête que ça fait mal. C'est dans la tête. Et Marty. Ah oui, il faut sourire. Toujours avec le sourire. Ben, je vous remercie d'avoir suivi cette séance de Thai Slow. Donc chaque jour à la même heure, 18h15 approximativement, on lancera cette petite séance de Thai Slow pour vous maintenir en forme. Pour les judokas, je rappelle que eh ben merci à vous aussi, Vincent, Béné, Mébido, Chris, etc. Pierre-Yves, surtout notre webmaster. Et à tous ceux que je n'ai pas nommés. Donc chaque jour, on fera cette petite séance de judo. Vous pouvez retrouver chaque jour une technique de judo sur le site ainsi que sur le Facebook du club, technique de judo, pour ne pas perdre la main. Au niveau des cours de Thai Slow, normalement, ils seront enregistrés. Donc là, on est en train de mettre ça en place avec Pierre-Yves et ainsi que tout le bureau, afin que vous puissiez les retrouver et sur le site et sur le Facebook du club. Donc, tenez-vous au courant, enfin, on vous tiendra au courant plutôt, et on vous dit, oui, Benji surtout, on vous dit à demain. Allez, ciao, bye, et